Écran noir. Calme-toi, c'est bon, je suis en train. Pas me Le mettre la pression en plus. Si, mais si. On a attaqué! Alors, je pense que le jeu est un peu fort par Ça. contre. Ah non, il y a déjà C'est quelqu'un qui a normal. dû. Réanimation avec. Et je vais me mute sur Discord, tu vas me dire si t'entends bien le jeu et moi sur le live. Ah, attends, je suis pas du tout. Ah, c'est pas comme ça que j'y fonctionne. Attends, j'ouvre mon navigateur. Tac. Pour l'instant, au cas où tu me demandes, je pense que tu m'entends encore. J'ai pas T'inquiète, encore j'entends switch ton feu. sur toi. Ok. Tac. Ok, tu peux couper sur Discord. M'entends bien? Attends, hop. Mais du coup, j'ai carrément, putain, j'ai carrément quitté Discord. Je suis trop embêtant. Attends, parce que oh, le jeu a bugué. On va fermer ça. Oh, ça a bugué de ouf. Je t'entends bien en tout cas, ouais, mais le jeu. Jeu qu'on va fermer parce que. Ok. Alors par contre, juste moi je vais baisser le son en jeu parce que dès que je suis sur le jeu là, je t'entends plus. Ah oui, Ah, normal. Enfin, normal. nice. Hop. Je m'entends en écho. Oui, non, mais du coup, coupe le son du live. Oui, mais du coup, je vais pas t'entendre si je coupe le son du Mais si, live. je suis sur Discord, que tu me racontes. Ah, ok. Si, c'était juste pour le test. Il vient notre abruti là ou pas? Donc, ce serait cool qu'il se ramène. Alors, bon, bah, du coup, pas besoin de baisser le son. Une coop. Alors, du coup, ça m'a viré de la partie. Oh non, t'inquiète pas, moi aussi, hein. Ok, cool. Top, parfait. Nickel. Ah, invitation. Tout se passe comme prévu. Bah, let's go. Ouais, mais ça m'a pas pressé, j'ai vu. Ah, je Ok. t'entends en jeu? Attends, parle. 1, 2. Ah, tu m'as peut-être pas mute et je t'ai pas mute non plus en jeu. Du coup, tu m'entends en écho, c'est ça? Enfin, je t'entends sur mes enceintes. Ah! Pour m'entendre deux fois plus. Oh ouais. On peut relancer la partie si tu veux. Et on se mute. Les parties. Dieu. Du repart sur ton compte. Bon, on était y arrivé. Alors, créer partie privée. Comment c'est? Hop. Hop. Comment ça marche? Ah, c'est Et ça. hop, et en fait tu mutes avec le Y. Et hop. Genre avec la. Ah, effectivement. C'est bon, du coup, tu m'as mute aussi. Ouais, mais je t'entendais pas. Ah, c'est vrai que tout est sur le casque, moi, donc il n'y a pas de souci. Les haut-parleurs sont éteints. C'est pour ça que j'étais pas gêné, je pense. Allez, cette fois c'est la bonne. J'ai hâte d'en finir avec cette série Oh, tu t'amuses comme un fou à chaque fois là. pourtant. Ouais, trop génial. Il paraît quand même que le 3 est beaucoup moins bien. Ah. Ouais. Ok.
En mais partie il à paraît... cause du co-op, mais Ah, d'accord. C'est pour ça que... Mais le co-op, il y a un souci d'IA aussi, je crois. Mon Dieu, Kaufman, c'est sans espoir. Genre, les mobs, ils sont débiles as fuck. Roméo Alpha, W250. Comment ils ont fait pour se foirer là-dessus? Au bout de la troisième fois, normalement. Roméo Alpha, W250. Serrano, vous m'entendez? Non. Lim, Dieu merci, vous l'avez? Qu'est-ce que je fais? Doc, je sais même mais pas. Mais pourquoi c'est des chercher. Russes? Bien. J'ai une peu tank. Ça fait badass. Ouais. Et puis il y a de la neige, hein. Donc selon toi, où il y a de la neige, il y a des Russes. C'est ça. Mais attends, mais comment ça se fait que j'ai pas les sous-titres? Bah, faut les activer, hein. Le mec. Nya, nya. Bah tu sais quoi? Ah ouais. Ah oh, j'ai fait. Attends, j'active les sous-titres du coup. On est. Tac. Tracer, nana. C'est où cette histoire? Audio. C'est quoi? C'est dans audio. Dans audio, oui, bah oui, ça arrive. C'est chose qui arrive. Ah. Ah. Ah pardon. Ah c'est. Pardon, vas-y, 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 vas-y. L'enfer. Hop. Allez. Ok, appuyez sur RS et maintenez. Ok, c'est par là-bas. Du coup, si je le fais, est-ce que tu le vois, toi? T'avances? Ouais, si j'avance. Si je le fais, est-ce que tu le vois, le... Non, non. Je vois que le mien. On avait pigé qu'on avançait plus vite en visant. Comment on fait pour courir, du coup, avec les... C'est pas grave. C'est L1. Ah, on n'a pas le droit de vraiment courir pour l'instant. Bah si, appuie sur L1. Bah je trouve que... Ah si, je vais plus vite, ouais. Tu sais même pas tenir ton arme, sérieusement, là hein. Je me fais clasher, là. Direct. Oh non. Du coup, on est où, là, en fait? Putain de merde. Qu'est-ce que c'est par? Bordel de cul. To Volantis. Eh hey Doc, on y est. Bien. Est-ce que vous pouvez entrer? Non, tout est fermé. Cherchez, il doit y avoir un accès. Par contre, je suis saoulé, on commence pas avec le cutter plasma. Super, des balles. On va pouvoir se suicider avant de mourir de froid. On pourrait peut-être forcer la porte. Prêt? Bah ouais. Ah, plein de balles. Il m'a refait peur quand même. Bonjour monsieur, vous avez un truc dans la bouche. Vous avez des haches aussi. Ah oui, il est encore vivant. Oh, ok. Doc, j'ai un moyen d'entrer. Bien, vous devez trouver un cylindre qui fait environ 50 cm. Vous le voyez? Un cylindre qui fait environ 50 cm. Très bien. Qu'est-ce que... Ok, d'accord. Ah. Je peux pas t'en dégager. Si si, faut bombarder. Non, mais moi, je peux pas en fait. Ah d'accord. C'est du zombie nazi en fait. Ça induit une bonne ambiance déjà. Ah d'accord. Ah il s'est fait choper. Bah vas-y hein. Ouais. Allez. Le mec il m'envoie un casse-pipe. Je m'en fous, je viendrai te hanter. Ah tu sais ce qu'on dit à propos des films d'horreur, celui qui meurt en premier. Ah faut maintenir. Le partenaire attend à l'interrupteur. Ah, il y en a deux, ok. Oui. Putain. Mec, c'est bon, tout va bien. Ah, faut courir, ou pas. Ah bon. Ok. Ah d'accord. Hey Doc, je suis au-dessus du vide. J'ai une pitoule que vous vouliez. Tu cours ou pas? Non. Bah je saute. Retrouvez-moi au stylo, et ne vous arrêtez pas. Ah, LB c'est pour sauter en fait.
Toi aussi tu penches la tête? Ou y'a que moi? Ouais, j'ai la tête un peu penchée. Par contre, ouais bon, c'est orienté action, c'est cool. Ah d'accord. On peut faire des roulades. Vraiment orienté action. C'est une charte de leur truc. Vous êtes mort. Hein? Quoi? Attends, mais pourquoi on voit la même chose? Oh mais ça a aucun sens. Comment ça? Oui, oui, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Ah, t'es mort? Non. Mais ça a pas c'était l'air d'être la même mutation. Hein. Jusqu'à la fin. Général Mad, chef. Où est passé le professeur? Earl Serrano, toujours aussi optimiste. Il a dit que je devais l'emmener à la ville. Il a dit qu'il était encore temps de l'arrêter. Il est encore temps. Nous avons échoué. Alors, pour le bien de la Terre et des colonies souveraines, il faut aller jusqu'au bout. Tu aimes la Terre, petit. Ta mère, ton père. Tes frères et tes sœurs. Oh. Oui, chef. Bien sûr. Bien. Ravi de l'entendre. Mais là, il tire une balle. Tu vois. Le fils. Ok, bon, le personnage principal est mort, fin du jeu. D'accord, c'est pour ça que c'était pas important. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Ah bon? Bonne ambiance en tout cas. Personnage principal secondaire. Oh. Boum. Données purgées. Et donc nous en fait on joue dans la matrice. Comme ça. Mes frères et sœurs, le temps des hommes touche. Ah oui d'accord. 200 ans plus tard. Et du coup, là, 200 ans plus tard, on est au temps d'Isaac Clarke, hein, un truc comme ça. Au temps de... d'Isaac Clarke. Hein. Ah, d'accord, oui. Bon, écoute. Je voulais te dire, je dois partir. Il le faut. Alors. C'est avant Dead Space 1. Ok. I guess. Non, plutôt après. Non, non, ouais, plutôt oh. Carrément après Dead Space 2 en fait. Je sais pas qui c'est qui parle du coup au téléphone. Il entend encore sa femme. Ah. Ah. Les mecs, ils ont toujours leur barre de vie dans le dos quoi. Isaac Clarke, foutez-moi la paix. Répondez-moi. C'est lui. Vous êtes qui? Levez-le. Debout. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc j'irai droit au but. Il me semble que vous êtes un spécialiste des monolithes. Vous en avez créé un. C'est des conneries, ça. On m'a forcé la main. Vous en avez détruit deux, d'où notre présence. Nous avons besoin de vous. Non. Non. J'en ai ma claque. Allez vous trouver un autre suicidaire pour votre mission. Attends. Ah. Ouais, ouais, c'est, ah oui. C'est moi. J'augmente juste un peu le son. Non, c'est pas ça, mais du coup, j'ai eu de la latence. En fait, c'est marrant, sur la... Comment ça s'appelle? Sur ton écran, en fait, sur Twitch... Ah, il a mis du temps avant d'apparaître, ok. Et le truc pause apparaissait pas. Juste avant de perdre le contact. Elle a parlé de vous. Ellie. Où est-elle? Elle est en danger? Où est-elle? Je suis avec, du coup. Visiblement, non. Les unitologues ont infiltré le plexus. Ils sont partout. Putain, ils ont infiltré le plexus solaire et tout. Apparemment, elle s'est perdue, Isaac, et je ne pourrai pas la retrouver sans vous. Ça marche. Ok. Ok. C'est fou. Non mais, tu vois là, ça me fait carrément penser à Hellbound, pour le coup, au niveau de l'histoire. Là.
Ouais, cette espèce de secte mythologiste. C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux. C'est vrai que ça commence à parler d'unité déjà dans les premières minutes. Mais prends pas cette arme de merde. Attends, hop. Tu vois. Apparemment, retour du... Ah oui, on est... Ah ouais, ah, c'est comme ça que ça commence, c'est marrant. Moi, je suis dans mon coin. T'es où, toi? Ah bah, je suis là. Donc... Oh putain, tu m'as fait peur. Merde, merde, merde. Attends, c'est quoi ça? Appuyez sur truc pour le lire. Journal personnel Isaac Clark. Nous avons tous les deux perdu une partie de nous lors de ce cauchemar sur la méduse de Titan, tu vois. Elle a perdu un œil et elle a malheureusement pu se le faire remplacer. Elle a heureusement pu le faire remplacer, même si la couleur n'est pas tout à fait la même. Quant à moi, j'ai laissé une partie de mon âme et je ne peux rien y faire. C'est sans doute pour cela qu'elle est partie. Certaines personnes savent se reconstruire alors que je suis irrécupérable. T'as pas vraiment vécu la même chose en fait, mec. Tu vis dans un... Il y a un message audio. Lecture, message 33, 2, sur Terre immobilier. Message à l'attention des occupants de l'appartement 16. Votre loyer Top. Est en retard. Ceci est votre dernier avertissement. Cool. Payez tous 3 jours ou vous serez expulsé. Tu crois qu'il peut aller jusqu'où? Quoi? Non, je me demandais jusqu'à quelle température pouvait aller. Ok, le frigo. C'est bon. Je vais vous aider. Ouais. Où est Ellie? Quand est-ce qu'elle a disparu? La ferme. Contentez-vous de nous suivre. On verra plus tard. Ok, c'est un truc que... Ils sont bizarres les voisins. Bah c'est assez ferme. Ah bon? Drôle de chien quand même. C'est un gros chien. Vas-y, passe devant, c'est le soldat. On a vu comment s'en sortaient les soldats. Ouais, c'est pour ça que je suis pas chaud finalement. C'est l'ingénieur, vas-y. Mes frères et sœurs. Hey. Je peux savoir qui vous êtes? Dernier contingent terrestre. Je suis Norton, capitaine Norton. Voici le sergent Carver. Dernier contingent terrestre? On est le dernier, c'est tout. Il y en a plus d'autres. RAS. Tu trouves? Il y en a plus d'autres. Bombe. Et voilà. Ah d'accord. Venez. En voiture! Vite, vite! Visiblement, ça coupe RS. Mais non! RS, c'est. Wow! Ok. Attends, mais RS, ça marche pas tout ça coupe. C'est pour les objectifs. Ah! Faut pas maintenir. Isaac, bougez! À couvert, les grenades. What? C'est pas du tout le même jeu. J'ai perdu. On est d'accord, hein. Ok. C'est pour ça qu'ils sont plus cons. Oui. Oula, pas trop vite, il oui. Sur il explose, lui il explose. Norton, ce sont des unitologues. Pourquoi ils veulent nous tuer? Où? C'est vous. T'es qui où en fait? Ah, t'es là. Quoi? Allez, contentez-vous de sortir d'ici. Il y a une échelle? Non, on s'en fout. Bah ouais, ouais, l'échelle. Ah d'accord, putain. Bah ouais, moi je regarde... Enfin, je regarde partout. Ah, et... Qui sont ces gens? Pourquoi ils veulent... Si, on récupère... si je récupère un objet, c'est partagé, ça ouais, je sais qui... pas, hein. Quoi? Ah bah t'as pris kit de soir. Je pense que c'est... Ouais, Ellie vous voit comme un messie. Elle est Ellie a disparu, pardon. Et ces types vous suivent? Oui, rendez-vous sur le toit de Dredger Corp. Une équipe d'extraction vous attend. Ah ouais. Oh. Et ce... Ah ça répare juste et tout. Surtout y'a rien dedans, on s'en fout. Ok. Sauvegarde la progression. Ça pue ça. Attente.
Norton. Pitié. Où il est? Je n'en sais rien. Ah mais le mec a suicidé direct. Attends, ça me gratte le nez. Ouh. Merde. Oh. C'est la route. Tout est automatique. Ils vont pas s'arrêter. On a nos modules de stase. Bon, bon moyen de bloquer le terrain. Pas mal. Ah d'accord, modules de stase. Ah oui, d'accord. Ok. Bah oui, parce que t'en ralentis, pas le reste. Allez. Mais ça devrait continuer. Oups. En fait à rouler. Non, il y a des bouchons maintenant. Même si c'est automatique. Je me fais tirer dessus comme ça. Oh. Par contre, c'est normal qu'ils survolent les... Oula. J'ai chier ces fenêtres. Qu'est-ce qu'il te prend? Je casse les fenêtres. Du coup, si tu le ramasses, je peux le ramasser aussi ou... Vas-y, ramasse-le. C'est pas partagé, hein. Mais j'en ai eu... Ah non. Ah si, c'est partagé. Okay. Visiblement. C'est instancié, même. Oui. Okay. Du coup, c'est... Oui, non, on s'en fout. Ouais. Allez, allez, on doit atteindre le toit. Je vais pas changer d'arme. Si on... Ok. Oula. Une autre ambiance. Mes frères et sœurs, le temps des hommes touche à sa fin. Nous sommes devenus trop nombreux pour vivre avec si peu de ressources. Les multinationales à qui nous avions confié notre argent nous ont trahis. Calme-toi. Nous avions confié notre avenir à tout saboter. Sous leur responsabilité, nous mourrons. Mais n'ayez crainte. Il reste un espoir. Comme l'a promis le prophète Michael Altman, le monolithe noir sera présent. Norton! C'est pas qu'une chasse à l'homme. C'est un véritable massacre. Non, vous croyez? Pourquoi s'en prendre au gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait? Danik considère que leurs travaux sur les monolithes sont une hérésie. Alors imaginez ce qu'il pense de vous. Vous êtes au point d'évacuation? J'y serai bientôt. Qu'est-ce qui est une hérésie? J'ai arrêté de... Appartement, j'ai commencé à bouger, j'ai arrêté de suivre. D'autres questions? Non, parce qu'il y a ton... Il y a ton chef qui m'a parlé, donc je sais pas si... Allez, viens. Il y a du friendly fire. J'ai perdu 30 PV. Je vais mourir. Du full life, ta gueule. Le mec a regardé. Attends. Ok, d'accord. Ok. Personnage principal, mort. Deuxième fois. Il est encore en vie. Amenez-le. C'est comme ça qu'il gère, putain, les mecs. Le mec était pas sûr. De... Allez hop. Hein? Mais non! C'était le chef. Bah, c'était moi. Ah non, c'était le chef. Vous êtes l'homme que putain, je recherche. On sait plus où t'es. Non. Ne vous inquiétez pas, votre mort n'est qu'une question de minutes. Relevez-le. J'ai quelque chose à vous montrer. T'es bien habillé, lui. Là. Vous voyez? C'est un monolithe test. Il y en a partout dans les colonies et les avant-postes. C'est une bonne nouvelle, ça, tiens. Pourquoi ça me concerne? Toi, t'es où? Tu vous t'es caché? Vous avez fait partie du programme, Isaac. Ce sont un peu je regarde. C'est la cinématique. T'as une autre cinématique, vous toi? La chance inouïe. Non, c'est la même. Témoin de la libération. Dommage, non. Justement, non. Justement... Vous allez nous tuer. La mort n'est qu'un début, Isaac. L'histoire doit suivre son cours et je ne laisserai ni vous ni personne interférer. Regardez, soyez bien attentifs. Tu lui fais péter les monolithes.
Ah, c'est pour créer un nouveau monde. Le temps est venu pour... Ah d'accord, non, c'était caché. D'accord. Ah ouais, d'accord. Allez, aux ordures. Wasted. Ah, je venais de me heal, même que je suis blessé aussi. Attention, par terre. Oh, c'est bon, je vais utiliser ce petit kit de soin. Oh là là. Utilisez les membres des ennemis pour les arrêter. Merci, c'est pas mon premier Dead Space. Bah moi si, merci pour le conseil. Ça va, t'as joué au début du 2. Par contre ils en donnent beaucoup des kits de soins, je trouve. On a peut-être dû mettre en difficile. Ah. Inventaire plein, ils donnent que ça. Toi, t'as... Mais l'autre fois t'avais joué en difficile. Non, t'avais pas joué en difficile. Non, j'ai joué en normal et... En normal. Mais ils donnaient moins de... Je trouve. Quoique là, ils étaient plus généreux par contre. Qui tape dans les murs et tout. En fait, si tu tapes, t'as vu le personnage, ça floute un peu les murs. Oui, j'ai vu. Sur les fenêtres tout à l'heure. Hein. Kit de soins. Il y en a partout des kits de soins, c'est n'importe quoi. Se recharge. Chargeur. Kit de soins. Vila. Est-ce qu'on aura le Gatling du coup? Gatling? Ouais. Oh, ça va, plus marrer. Gatling. Déjà, t'as un semi-automatique là, c'est n'importe quoi. Ouais, mais je suis un soldat quand même. Oh, ça gratte le yep. Oh. Du coup, c'est quoi la mission? Avance, tire, avance. Notre question. Rejoindre Norton, cette explosion est séparée du capitaine. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Stanik a buté l'équipe d'extraction. Merde. Ok, j'approche avec l'odorat. Trouvez un moyen de quitter l'odorat. Il y a des trains à la station Washington. On a qu'à en prendre un. C'est bien joli, mais comment on va faire? Débrouillez-vous, on se retrouve sur les rails. Pas changer d'arme. T'en as pas? Avec les, en flèches, fait, les flèches directionnelles. Bah ouais, mais en fait, il me laisse... Bon, c'est pas grave. Chargeons pas, Guy. Ah ouais, tu vas pas de l'autre côté? Bah si si, je savais pas trop où j'allais en fait. Mais tu veux pas qu'on fouille? Bah si, du coup, bon, de toute façon de l'autre côté c'est fermé donc. Ah d'accord. Hey, qui veut des bonbons? Le mec. Me parle pas putain. Je suis sous pression déjà. Ferme ta gueule. Putain, ton fusée dans le ventre. Oh le bordel. Ça va. Ah. Ah, allez, voilà. C'est vrai. Putain, ils ont les jambes coriaces. Derrière. Ouais. Ok. À quoi ça sert de se mettre à couvert d'ailleurs? Du coup, maintenant que tu penses. Contre les humains. Peut-être des humains encore qui vont nous faire chier. Coucou Ityuk.
Comment tu vas, Ichuk? Je suis à 100% de plus, je vais mourir. J'ai vu ton nom, petite merde. Allez, la musique s'affole. Oui, on est. Ah, bonjour. Pas du tout la même ambiance. C'est clairement pas la même, hein, effectivement. Putain, t'as un dégradé dans ta vie et tout. Un dégradé? Ouais, de couleur. La station Washington, mais ils sont où ces trains? Comment j'en ça sais rien. Je sais pas, ça affiche bleu. Allez, donne-moi bleu, un coup de main. Vert. Quoi? Pourquoi? On est dans une gare. Sur quoi? On peut remettre les trains en état de marche. La barre de vie. Il faut trouver un moteur. Ah, ce genre de truc, ouais. Pas le temps pour ça. Assemblage incomplet. Veuillez connecter le moteur. Attention. Et le wagon d'alimentation avant la mise en route. Ah oui, faut viser d'abord. Ah, ouais, allez. Faut viser d'abord. D'accord. Ça a tout. Si je te reste. Ah. Vestiaire à ouvrir encore. Il y a. Peut-être qu'il faut qu'on. Non, on peut pas continuer. Ah si. On le pousse? Bah, je crois. Hein. Oula. Ah, ça avance un peu. Ça m'étonnerait que ce soit ça quand même. Ah ouais, mais. Ah, j'étais trop près, ça. Le moteur est en position. Veuillez connecter le wagon. Ben, visiblement, ça marche. Il faut connecter les deux en fait. Vas-y, fais. Parce que. Ça va, ça va. Dead Space 3, c'est un défouloir. Bah ouais, c'est ce qu'on a l'air de. Mais. De voir. Vas-y, tu peux le faire. Ouais, ouais, ouais. Exactement ce que j'attendais, pouvoir tirer partout sans réfléchir. Wagon aligné. Procédure de lancement en cours. Veuillez monter à l'arrière du train. Oula. Ok, Norton. Le train est prêt à passer la porte sud. Vous le verrez. C'est la seule chose qui bouge. Bien sûr. J'approche dès que vous quittez la ville. Soyez prêts. Ça s'annonce délicat. Ah. Ah. Il y a des mecs qui vont toujours. Carver. Vous pouvez m'en dire plus sur la disparition d'Eli? Maintenant? Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Est-ce qu'elle a pu survivre? On était à la serrure. Elle est partie je ne sais où et on a perdu le contact depuis. Elle, c'est une dure. Je parie qu'elle est en vie. Et je parie qu'elle nous maudit de ne pas l'avoir trouvée. Elle est stylée, le second perso. Ouais, hein. J'aime bien. Moi aussi.
t'es mort aussi? Mais ouais. Pas trop pigé. C'est maintenant ou jamais, Isaac. T'as rien. Peut-être se baisser? Ah non, même pas. Dans la cinématique, tu vois pas, tu vois pas que c'est un QTE. Non, j'avais pas vu que c'était un QTE. Mais moi non plus, en fait, c'était pas visible à l'écran. Ah, ça fait un peu film de série Z, un peu cheap quand même. Par rapport aux deux précédents. Ah ben, au moins t'aurais pu le... Oui, c'est sûr. Qui c'est? Mon fils. Mignon, vous l'avez laissé? Il est mort. Danik l'a tué. Lui et sa mère. Désolé. C'est vrai que ça fait très cliché quand même. Pas la peine. On n'est pas amis. Très cliché. En tout cas, merci de m'avoir sauvé. Faites plus attention. Carver, Isaac est debout? Ouais. Bien, on y est presque. Ramenez-vous sur le pont. C'est bon, on y va. J'ai de me menacer, genre. Je sais pas. On n'est pas d'accord, bah mais on bosse ensemble en fait. C'est un tsundere, qu'est-ce que tu veux? Ah, appuyez sur les détails pour trouver les. Ah, oui, d'accord. Attends, inventaire plein, ça fait une demi-heure qu'on joue. N'importe quoi. Et moi, mon inventaire est pas encore plein. Oh oh oh. Ah, t'as dû utiliser des kits de soins depuis. Non, j'en ai utilisé un seul. Oh, ça gratte. Ok, écoutez-moi. Il y a 13 jours, l'agent Ellie Langford et son équipe sont partis à l'aveugle vers une planète inconnue qui renfermerait, selon elle, le moyen d'enrayer pour de bon l'invasion monolithique. Depuis, nous avons perdu tout contact. Notre priorité absolue est de trouver l'agent Langford et son équipe. Cool. D'où? Ah oui. Allez hop. Tu... Non, j'arrive, Ok. Tu veux, voilà, ici, le mec il bloque le passage et tout, on se prend au cul. Ah, d'accord. Sortir les doigts du cul, le partenaire, ce serait cool. Ouais, mais changer d'arme. Putain. Arrivé dans 15 secondes. Prête pour extinction des feux. Très bien, écoutez, nous naviguons à l'aveugle, alors restez concentrés. Rosen, le décompte. Balise verrouillée. Extinction dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est censé. C'est censé remuer comme ça. Bah ouais, lorsque tu viens de lorsque tu traverses l'atmosphère. Mais t'as pas traverse pas l'atmosphère là. C'est un sacré carambolage. Une décharge, oui. Aucun signe d'élite. C'est ta mère la décharge. Putain. Je détecte plusieurs transpondeurs, mais aucun étatique. Selon leur signature, il s'agit des colonies souveraines. Tu déconnes? Ils ont plus de 200 ans. Attendez, c'est pas tout. Il y a un SOS qui vient de cette épave, droit devant. Le CMS Roanoke. C'est peut-être Ellie. Espérons-le. Rosen à 500 km. Oui, chef. Ces lumières. C'est des balises? Attendez. Non. C'est des bombes. Rosen, sortez-nous de là! Alerte, collision. Impact imminent. Autant! Ah oui, d'accord. Capitaine,
déjà une part. Là ! Vite, prenez ces panneaux et condamnez-moi à cette porte. Depuis quand vous donnez des ordres ? Personne n'a le moindre plan. Je vous expliquerai plus tard. Carver, où sont rangées les tenues spatiales ? Carver ! Là, en bas ! Je vais avoir une tenue digne de ce nom. Putain, bloqué par les sacs, quoi. Erreur. Gravité suspendue. Oh, shit. Gravité active. Oh. Concours sur divers. Ouais. Ah, c'est bon, bien joué. Ok. Ah ouais, Iron Man, c'est parti. Ça va trop vite. Dirigez-vous vers moi. On se croirait dans cache. Presque vous atteindre. Ah non. Quoi? Des mines. Des mines. Pourquoi? Ah, avec les vaisseaux et tout. Oui. On peut les détruire les mines quand même. Isaac. Ah, j'ai frôlé le mur. Putain. Ah, tu peux continuer? Non, tu peux. Non, je peux pas continuer, non. Ok. Ah, t'as frôlé le mur ou tu te l'es pris de plein fouet? Non, 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 parce qu'en fait, j'étais passé et puis en fait, j'ai touché sur les coins. Dirigez-vous vers moi! Je peux presque vous atteindre! Ah, on peut les détruire, ouais. Des mines! Oh putain! Oh bah si, sérieusement. Ça va trop vite! Dirigez-vous vers moi! Je peux presque vous atteindre! Quoi? Des mines! Des mines! Qu'est-ce que... Ah oui, d'accord. T'auras à me dire, mais... What? Qu'est-ce que... Mais putain, je me suis fâché encore. Si vous vraiment éviter tous les obstacles aussi. Pardon. Ça va trop vite! Dirigez-vous vers moi! Je peux presque vous atteindre! Quoi? Des mines! Des mines! Ouais, en fait, c'est horrible parce que t'es explosé les mines trop près, ça fait mal quoi. Isaac, où est-ce que vous êtes? Je suis là! Attendez! Je t'ai vu passer dans mon écran là. Tu peux te soigner, hein. By the way. Ah! Oh les putains, les coquins. Eh ben dis donc, le mec qui vient d'arriver. Attention! Quoi. Attention! Vous pourrez pas l'éviter! C'est pour ça qu'il t'en donne plein au début. Oh non! Oh non! Désolé! Ralentissez-les! Les manettes sont à fond! Ça ralentit. Okay. On a déjà fini le jeu 3 fois là. Okay. Il y a déjà des gens, dans ce caisson en fait. On y est. Okay. Ouais, normalement c'est les PNJ qu'on a vus. Vous pouvez rejoindre ce quai? Ouais.
Il y a de l'air à bord. Le signal de détresse d'Eli vient de l'intérieur, alors j'espère. Comment il va le net Affiche l'oxygène dans le vital. Cool. Je me sens. Le courant semble coupé partout. Impossible d'ouvrir les boîtes de chargement. Je crois qu'il y a un levier sur l'autre porte. Vous le voyez ? Oui. Je vais voir si je peux entrer. Tiens, de l'oxygène. J'ouvre ? Ah, tu fais quoi, non ? Tu... De quoi ? J'ai pas écouté ce qu'il fallait faire. En fait, il faut aller sur l'autre porte que je vais ouvrir, du coup. Ah. Maintenir un objet par télékinésie et appuyer sur B pour le tourner. Ah, d'accord. Bah, toi, viens vers moi. C'est toi qui es là-bas. Je crois que t'étais à côté de moi en fait. Regarde, pourquoi tu bouges pas? T'as pas. Moi je lui donne de l'oxygène, le mec il dit même pas merci. Tu m'as donné de l'oxygène? Ouais. Vous avez vu Ellie? Non. Personne n'a dû venir ici depuis longtemps. Et là en fait, tu sais pour. Essayez d'ouvrir les portes. Voilà. Bon, c'est avec le Delbar là-dedans. Attends, il y a une porte. Armature lourde de standard. Hein? T'as récupéré une arme ou Non, une armature lourde de standard. Et c'est quoi cette merde là? Je sais pas. Ok. J'ai du mal à respirer. Combien de temps? Ok, on fait aussi vite que possible. Non, je deviens très pâle. Je peux pas le soigner. Merde. Isaac, rejoignez la porte. Je peux vous faire entrer. Voilà, entrez et venez m'aider. Attends, s'il faut tourner les manivelles maintenant pour ouvrir les portes. Ah, vas-y. Attends, la porte? Mais non. Isaac, le SOS d'Eli vient d'une zone plus éloignée. Mais je reste avec Rosen et Locke. Envoyez-moi le signal, je vais aller voir. Le mec qui fait pas les liaisons. Le voici. Hé, hey, n'allez pas trop loin. C'est un ordre. Bloc moteur Tesla. C'est toi qui récupères ces trucs-là ou... C'était par terre. Oh. Mon Dieu. Des cercueils partout. On dirait des funérailles. Des exécutions. C'est à droite d'ouvrir les portes aussi. Comment vous savez? Je suis une princesse, ok. La hauteur des taches de sang. Putain, il m'a vraiment dit ça. Il y a un point de force. Bah, prends-le. Plus recharge. Ok, cool. Y'a pas quoi t'as fait pour le prendre. Bah, j'ai appuyé sur croix. C'est ah, d'accord, c'est le A. D'accord. Ça semble une cloison de tir en fait. On peut la détruire. Établi. Non. Ça a marché. Et on a gagné un établi. Mais si on l'active. Avec tout ce qui traîne ici, je parie que je peux faire mieux que cette arme. Ouais, bonne idée. Alors, bench. Bloc moteur Tesla, armature lourde. Nouveau circuit trouvé. Brise surface débloquée. Les pièces d'armes sont disponibles ici. Oh là là, Marie. Progression, kit, recharge. Waouh. Non, mais déjà, moi je veux pas cette arme. Comment ça? C'est pas ton découpe tout là? Mais non, il me parle de. La vieille arme de merde. Qui permet de tirer? Bah, elle est bien. Bouche supérieure par défaut. Alors. Je suis porté de l'outil inférieur. Ouais. Rapporteur, bloc moteur Tesla. Arme droite. D'accord. Modifier et améliorer cette arme. Oh, de toute façon, t'as le cutter, je vais partir sur la mitraillette, histoire d'avoir un peu de diversité. Ok, donc les plus de recharge, ça va, ça.
Oh. Ah ouais, il va y avoir des loot, vraiment du, des compos quoi. Question de nouveau module. Ok, bon. Attaché. Ah, donc c'est à dire qu'on peut peut-être les enlever du coup. Déterminer. Il y a une arme qui s'appelle le troufion. Je détermine le type de particule. Ok. Création d'objets. Un aussi. Et en fait. Dommage, recharge. C'est diminué la vitesse par contre. Ouais. Pas fou. Ouais, pour l'instant c'est pas ouf. Bah en fait tu peux ouvrir la porte à droite. Tu vois c'est pour ça que je... Alors... Ah. Un chemin de ton côté ou pas? Non, il y a une porte fermée. Ok, bon bah tant pis. Princesse. Je fais des efforts de temps à autre. Allez, vas-y, un deuxième effort. Putain, l'autre qui nous claque des bruits de pas et tout. Non, mais sans déconner. Partenaire attend à la porte. Vas-y, écoute. Oh, putain, en plus, on met que des portes comme ça en fait. Supportable. Comment ça s'ouvre cette merde du coup? Faut appuyer sur B. Ah, faut appuyer sur B. Ouais, je les ai vus. T'en dirais une note. Qu'est-ce qui se passe? Les restes de l'équipage m'ont attaqué! Quoi? Impossible, ils n'ont pas pu survivre aussi longtemps! Ils n'ont pas survécu! Ils ont muté ces choses! Quoi? Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Gardez une arme à la main et tenez-vous éloigné des conduits d'aération! Ici, tu m'as fait peur! Vissez les membres, bien sûr! Oh, regarde, le corps, il est génial! Ouais, ok. Quel corps? Non, c'est bon, il a arrêté de bouger. Mais en fait, le corps qui était par terre là, il arrêtait pas de glisser comme ça. Putain, le bâtard, il... Ah, oula. Bon, ils sont intenses quand même. Orienté action. Artefact découvert. Je tiens à remercier chaque membre d'équipage de prendre part à cette expédition historique. Nous sommes face à la situation la plus critique qui soit et aucune cause n'a jamais été plus importante. La plupart d'entre vous ne connaissent pas précisément les détails de cette mission, mais sachez une chose, notre avenir est en jeu. Le sort des colonies est entre vos mains. Waouh. On fait une bonne jambe, tiens. Nice. Ah. J'ai l'impression que les modèles sont moins bien foutus que dans les deux premiers. Ils se découpent pas comme... À proprement. Ouais. Ah, tiens. Fais gaffe à bien ramasser les choses. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu me dis ça. Parce que là,
chapeau dans tous les sens. Mais ça, je trouvais. Ok, à tous les officiers FAI Media, l'amiral Marjorie Graves est confiné dans ses quartiers, jusqu'à nouvel ordre. Ses activités sont surveillées jour et nuit, personne ne doit lui parler sous aucun prétexte. J'assure désormais le commandement de la flotte, rejeter toute demande venant de la planète. Ah bon, ce point-là. Ok. Dans l'ascenseur ou... Bah non, l'ascenseur est fermé. Fermé, ok, ok. Mais tirez! Vous êtes passé où? J'arrive presque à l'embranchement. Ils sont trop nombreux! Partenaire à bonne place. Barricadez-vous! Retenez-les encore un moment! C'est bon, je viens de m'en occuper. Oh, il avait encore sa tête. Ah, yes. Au moins, ils ont un peu changé le vestiaire. Retenez-les, on parle d'un truc qui se balade dans les conduits. Ah, ça, j'avoue. Tiens. Oh là là. Sérieux? Non, mais ça va le faire. Non, il est mort celui-là. Vise les tentacles. De quoi? Vise les tentacules. Marche mieux. Y'a rien d'autre ici. Je m'éteins quand même. Ok, y'a pas un peu de choses à ramasser. Ils sont encore plus moches, ouais, grave. J'arrive. Je suis pas à la station. Vas-y, princesse. Attends, message. Tu l'as reçu le message ou pas? Non. Ah, d'accord, du coup, j'ai chopé le message. Et... Ouais, bon, tant pis. C'est l'autre, c'est C'est pas Start, c'est l'autre. C'est pas le bouton qui est à droite du pad, oui, c'est oui, celui du coup. Qui est à gauche. Ok, oui. Effectivement. Hey, Norton. Ouais. Ouais, je suis là. Ça devrait les retenir un peu. Bien. La source du SOS est juste au-dessus de moi. Je crois que j'ai trouvé le générateur principal. Si j'arrive à l'alimenter, vous pourrez emprunter l'embranchement. Ouais, et vous alors? Y a un ascenseur qui monte à la flèche. Je vous retrouve aux coordonnées d'Eli. Si, si, vas-y. J'ai pas envie de te brider dans ta créativité. Pareil de l'autre côté. D'accord. En fait, on a besoin d'être deux pour faire les trucs. Il y en a un qui baisse et l'autre qui verrouille. Ah, ok, attends, j'arrive. Bah. Ah ouais, putain! Oh, c'est long. Ok. Attends, ce que j'entends. Ouais, bah, on l'a. Maintenir. C'est marqué sur le dos du perso. Pourquoi ça... Ah. Ok, c'est que c'est fini. Faire l'autre maintenant. T'es sûr que tu sais que c'est fini? Parce qu'il est remonté du coup. Bah ouais, il est remonté tout seul.
Non, je voulais voir si ça... Effectivement, c'est marqué sur le dos du personnage. C'est très très long par contre. On l'a pas fait l'autre. Tu vois, les trucs qui sont remontés. Ah. Allons nous occuper de l'autre du coup. L'équipe de bras cassés. Eh hey, oh, hein, ça va. Un demi-ingénieur dans l'équipe. Ah là là, c'est bon, tu vois, je t'avais dit. Ah tiens. Tu vas par là? Bon. Tu veux pas qu'on fasse le troisième et juste de mon côté? Comment ça le troisième? Ah, il y en a trois à faire. Je pensais qu'il y en avait que deux. Je t'ai dit demi. Demi-ingénieur. Oh là là là. De l'autre côté du coup. Ah mais ils sont... Je suis même pas sûr que vous ayez fait des études... Ah non, ça c'est sûr. Demi-ingénieur, j'en dis. Bon, vas-y, viens. On active le truc. Ah, faut marre de ma lumière. Putain, ils sont casse-couilles avec ça. Ah. T'as pas vu le petit ou pas? Non, j'ai pas vu le petit. Hé, hey, on a du jus. L'embranchement est ouvert. Il est où? Okay. Rosen, Locke, faites gaffe. Carver, Isaac, on va à la flèche. Compris. Derrière. Service à 11, ok. Ouais. En cours. En cours. C'est la bonne porte? Ah ouais. Bon. Ah d'accord. Quel jeu cool. Oula. Quoi? Comment ça se fait que j'ai de moins en moins de munitions? Parce que tu les utilises, non? Non, mais même sur le cutter. Même sur le cutter. En fait, tu as 20 munitions que. Ah, d'accord. Ouais. On a récupéré qu'un seul type de munitions. Oh, Ellie, ma belle. C'est qui ça? Ellie. C'est beaucoup trop borné pour non. Mourir. Je savais qu'il lui avait remplacé un œil, mais les cheveux. Ouais, c'est lui. Isaac Clark. Putain, le décolleté, quoi. Plaisir. Ouais. Fossil Buckel, monolithologue. Et voici Jennifer Santos. Monolithologue. C'est l'intellectuel de la bande. Si vous arrivez à déchiffrer le monolithe, nous pourrons finir cette mission. T'as pas du tout une voix qui va avec ton corps, toi. Pas vraiment eu le choix. Je sais, désolé. Mais j'ai tellement de choses à te dire. C'est pas le moment, il faut qu'on y aille, on doit partir maintenant. Non, attends. Isaac, attends. Nous devons y mettre un terme. Tout nous conduit au quartier de l'amiral. Elle a recouvert les murs de ses symboles. Les réponses sont là, je le sens. Nous devons d'abord découvrir ce qu'ils veulent dire. Très bien, laisse Isaac jouer les traducteurs. Nous, on va y aller. Je prends Buckle et toi Santos, on y va. Vas-y, mais prends soin d'eux. Ils ont plus besoin de toi. T'inquiète pas, toi, tu restes avec moi. Non. Oh, mais je... Pardon, je joue. Tu veux... Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis solo là. Toi tu parles de ton côté. Fallait me parler des liens. Non, non, je suis là. Ta vie amoureuse, tout le monde s'en fout. Ah.
Non mais je me barre. Alors, le système est extrêmement reculé, bien au-delà de l'avant-poste le plus éloigné. Nous avons pris un gros risque en partant à l'aveugle, mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons enrayer l'épidémie provoquée par les monolithes, nous devons suivre leurs signaux. Nous devons trouver la source. Santos a déployé une balise lumière pour l'Eudora. Nous nous dirigeons vers un amas de débris en orbite, peut-être les restes d'une ancienne flotte. Tandis que nous nous approchions, le vaisseau est attaqué par des mines autonomes. Nous sommes faufilés à travers le champ de débris. Ouais, blablabla. Au bout d'un moment, hein. Bonjour, je suis un perso féminin qui s'écrit avec 2 B, 2 O et 1 S. Mais je trouve qu'elle était mieux faite avant quand même, ouais, dans le 2. Ouais, ouais. Non mais tout était mieux fait dans le 2. Alors, du coup je peux peut-être... Ouais, normalement t'as récupéré un truc plasma... Alors... faire moins de dégâts. Ta-la-ta-ta-ta-ta. Ah, j'ai vu un circuit d'amélioration aussi. Cadence de tir, ça peut être pas mal, effectivement. Bah disons que dans le 2 il y avait le côté horreur encore un peu, là on a l'impression d'être en voyage scolaire. C'est un peu vrai. C'est un peu exagéré, oh, mais non, c'est non. Un peu vrai. Oh. Tu es en train de jouir dans mes écouteurs là. Eh ouais mon gars. Je peux rien faire avec ce truc pour l'instant. Mais avec le truc plasma ? Quel truc plasma ? Bah en fait, normalement, j'ai récupéré un module plasma là tout à l'heure. Ah non. Après, ce sont nos débuts. Hein. Là, il va me donner un autre découpeur plasma. Putain. Circuit d'amélioration là. Oh là 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 là. En fait, il m'a transformé mon fusil en découpeur plasma. Top. C'est cool, ça. Bien. Là, là-bas là. Ah mais non, mais tu l'as récupéré. Ouais, j'en ai. En fait, c'est lorsque tu le récupères, je le récupère aussi. T'arrêtes ton circuit. Ouais, pardon. Puce. C'est tout pourri, hein. C'est quoi la différence du coup? Oh, c'est absurde. Le fait est que la meilleure arme du jeu, c'est le découpeur plasma. Je suis désolé, hein, mais. Ici, il peut rien découpeur plasma. Moteur militaire. Oui, munitions universelles, et je trouve ça tout naze. Gel somatique. On peut faire une petite recherche de ce que c'est du gel somatique, s'il vous plaît. Ça me paraît extrêmement bizarre dit comme ça. Bon bah ouf. Okay. On y retourne. Bah de toute façon, ouais. Isaac, je suis désolé. L'enjeu est tellement considérable. Merci. T'as pas perdu de temps. Le monde s'écroule et tu me fais une crise de jalousie? Bien sûr! Je t'ai jamais trahi, moi! Voilà. Ah non? What? Tu as trahi le monde! Hé, hey, j'en ai pas fait! J'ai déjà assez perdu, tu crois pas? Isaac, c'est ma crème! On est coincé sans ton aide! T'es avec moi? Est-ce que tu crois que j'ai vraiment le choix? Toi. Génial! Quoi encore? Comment on fait pour tourner le découpeur plasma déjà? L1. R1. Quoi? What?
the fuck? Merde. Un autre côté. Et tu peux pas l'enlever parce que t'avais l'air de mieux, mieux apprécier. Bah le truc c'est qu'il fait moins de dégâts le. Le fusil d'assaut. Vas-y, on relance. Ouais. Des kits de soins. Ennemi. Automatique à chaque fois récupère par terre. Bah pas chez moi. Ah, si. Non, si c'est pas des ennemis, pas des ennemis. Pardon. C'est pour ça. Ça pour ouvrir une porte. Il est revenu au point de départ. Il est revenu au point de départ. Le partenaire a besoin de place. Excellent. C'est vrai que ça fait voyage scolaire du coup. Attends, j'ai besoin de place. Le partenaire a besoin de place. Oh. Ber. Y pour ralentir les éléments. Ok, d'accord, ouais. Par là. Le système nerveux somatique se charge de la musculature mentale. Non non mais le gel somatique. Pourquoi on le ramasse sur les mobs en bocal? Les mobs en ont besoin. Oui, mais pourquoi du coup ça nous sert pour faire des armes en fait? Ah, d'accord. Ah, ça sert au craft de kit de soins, du coup. On active pas les trucs là? Quel truc? L'ascenseur. Mais attends, 2 minutes, non, c'est bon. Faut que je ramasse moi aussi. T'es stress. Bon, on active pas les trucs là. Y a un truc à récupérer là, non? Non, ça brille juste pour la déco. C'est de la merde. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de truc. Mais toi, faudrait te mettre dans un jeu où y a pas de couleur, juste tout est blanc et tout va bien. C'est ça. Et tu peux creuser. Mais t'as crevé quoi. What the fuck, c'est quoi ça? Ah. Hein? Appuie. Je dois faire quoi? Je sais pas, appuyer. Sur A. Ah. Non, sur LS du coup. Bah non. Ok. D'accord. Autant pas faire, autant rien faire hein. Avec ce genre de truc. Ça, c'est ni fait ni à faire le truc. N'importe quoi, remplissez tous les carrés. Ah, on a changé de style là.
heureusement qu'il y a un dieu grec pour remonter le niveau. là là. Oh, oh, comment t'as fait pour faire une roulade? Oh, je te dirai pas. Arrête, justement, je me disais, mais comment on fait pour faire une roulade? On peut pas. Oui. Oh, mais non, cinématique à ce moment-là. Ellie, Carver, on est au quartier de l'amiral. Isaac. Arrête là. Hey, Isaac. Arrête Isaac là. Carver, qu'est-ce qui se passe? Arrête là. Isaac. Arrête hey. Là. Arrête là. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce qui se passe. C'est rien, tout va très bien. Tout va très bien. Ellie. L'amiral était obsédé par une clé. Quel genre de clé? Hé, quel genre de clé? Un appareil extraterrestre. Une machine. Elle pensait qu'elle permettait de contrôler les monolithes. Oh mon Dieu. Elle voulait l'arrêter. Elle n'a pas arrêté d'écrire ça comme un mantra. Comme des instructions. C'est exactement ce que nous cherchions depuis tout ce temps. Ce n'est pas une planète ordinaire, Isaac. C'est son origine. L'origine du monolithe. J'espère que vous vous foutez de moi. Son origine. Ok. Direction la salle des commandes. On pourra décider de la suite. Clark, laissez tomber. Venez, Clark. Mais non. Bon sang, Marjorie. Je risque la vie d'éléments de valeur sur cette planète. Des soldats qui pourraient servir chez eux. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pour l'amour de Dieu, que nous cherchons ici? Nous cherchons de l'espoir, général. Arrête là, il me dit, arrête là dans ma tête, il me parle, il me dit des choses que personne n'entend, je nous suis celle qui l'a choisi. Ni assez de ressources, ni assez de soutien, ni assez de temps. Répondez à ma question. Qu'est-ce que nous cherchons? Des monolithes. Vous vous foutez de moi? Non, général. Hélas. Le docteur Serrano va rejoindre vos quartiers pour vous briefer. Ici Buckle. Nous venons de trouver un transporteur appelé Crozier. Si nous arrivons à le remettre en état, nous pourrons atteindre la surface. Pas question. On prend cette navette et on fiche le camp d'ici. Bon sang, Robert. Si nous ne détruisons pas ces monolithes, nous n'aurons nulle part où aller. En tout cas, cette navette est notre seule chance. Où est-elle? Sur le plus gros vaisseau de la flotte, le Terra Nova. C'est pas tout près. Oui? Mais il devait bien avoir un moyen de naviguer. Si c'est le cas, nous trouvons. La voix de l'enregistrement lui parle apparemment. Bon sang, Marjorie. Marjorie. Je risque la vie d'éléments de valeur sur cette planète. Ça me vient du tout. Des soldats qui pourraient servir chez eux. Et donc la roulade? Est-ce que quelqu'un peut me dire, pour l'amour de Dieu, que nous cherchons? Ah, fais pas genre. Allez, viens. Ah, c'est le combinaison que j'avais pas essayé. C'est moi où ils ont repris la voix du Black dans le 1. Ah ouais, il y a fort, c'est fait. C'est fait. Ouais. Ah oui. Ouais, 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 effectivement. Ah, je vais faire des roulades tout le temps. Appelez-moi Sonic. Oh putain, vas-y, avance là. Allez, princesse, à toi. Attends, il y a des kits de soins. Il y a des kits de soins? Ah. Ah oui, ça brille par terre. Hop. Une découverte d'importance cruciale face aux pénuries. D'accord. Nous avons donc essayé de le cloner, afin de comprendre sa technologie et ainsi de bénéficier de son énergie infinie. Imaginez notre surprise en apprenant qu'il ne crée pas l'énergie, mais qu'il la recevait via des ondes venues d'un espace lointain. Ça marche, ces choses. Nous avons alors tracé le signal et nous avons découvert une planète inconnue, l'actuelle Tau Volantis. Nous espérons trouver son origine pour utiliser cette énergie nous-mêmes. Si ça marche, l'avenir sera plus radieux.
pour nous tous. Général, je vous remercie. Nice. Top. Bonjour, général. L'amiral m'a demandé de... Ah. J'ai eu un peu peur, là. Oula. Oh putain, tu vous fais des roulades, ce connard. C'est génial, Léo. Ah, je me sens bien, du coup. Le pire, c'est qu'ils ont tué la licence alors qu'ils avaient un bon leur bagra. Évitez de m'envoyer des trucs, merci. Où allons-nous? Ouais, d'accord, le mec il veut pas découvrir. Il suffit de regarder la map, hein. Est-ce qu'on a une map? On a pas de map. Pour regarder une map. Ah, je crois qu'on est. Il y a un mur. Ah, c'est vrai que. Ah non, mais non. Attends, le mec a tout ramassé. Oui, 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 oui. Merci. Ça va. Je te fais gagner du temps. Ah! Fusil? Haha! Ça sent la faible cadence de tir, les gros dégâts. J'aime bien ça. Mais vas-y, bouffe, princesse! Putain. Ah! Ça, on... Oh là là! Qu'est-ce que t'as fait? Ah, Isaac, te voilà. Où sont les autres? J'espère qu'ils sont loin de cette épave. Santos, mettez-le au jus. Bien sûr. Nous avons trouvé une petite navette assez modeste. Ce n'est pas un engin de compétition, mais elle atteindra les vaisseaux éloignés. Ok, je vous envoie les coordonnées. Bien, récupérons cette navette et rentrons à la maison. Robert, on ne rentre pas à la maison. Du calme. On récupère la navette et on décidera ensuite. Je vais aller jeter un œil à l'engin. Ok? Putain. Insupportable. Oh, ça, la. Ah, d'accord, oui, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ouais. D'accord. Il faut du tungstène pour. Du coup, je peux toujours rien faire là, ça me saoule. Si tu peux normalement rajouter des trucs là, les. Je peux m'ajouter des petits dégâts, des circuits. Et d'amélioration. Ah, bah d'accord, les gars, est pas ouf, hein. Lance de tir. Bof. Si, quand même. Oh, c'est tout pourri. Elle voit bien pour une borne. Bah lui, on aurait mis un œil en fait. Pas de la bonne couleur, mais on aurait mis un œil. Ça, c'est de la merde. Alors. Amélioration. D'accord. D'accord, je peux tirer. Oh, ça coûte cher. Je peux tirer avec les deux en même temps. On charge et c'est juste. Est-ce que je m'amuse à créer tout et n'importe quoi? Miam. Balanceur, tu vas essayer. Ouais, on va économiser pour l'instant. Ah oui, quand même. C'est bon? Ouais. Ah.
Changer de tenue. Améliorer les rigs. Avec quoi on peut améliorer les rigs? Ah, ça prend de la ferraille, du gel somatique, du tungstène. D'accord, j'ai bien fait de pas le consommer maintenant. Améliorer la quantité, la durée et la recharge de stage. Ok. Les dégâts du module de télékinésie. Bah en fait on peut le faire qu'un à la fois, mais c'est pas grave. Ah bon? Non mais vas-y alors, ouais. vas-y. Oh la flemme. La flemme, vas-y je te dis. Ah par contre je peux pas tourner mon... D'accord. Enlever de tenue. Caché. Si tu me vois pas, si je te vois pas, tu me vois pas. Pas retourner voir les boobs de l'autre là, tant qu'il fasse ça. Ouais, puis de toute façon, oui, voilà, ça coûte cher. Allez hop. Ah, yes. Allez, c'est fini. Arrête de mater. Ah, attends, je vais regarder tout le côté un petit peu. Ah, yes. Ouais, mais ils ont rajouté des boobs. Ils ont enculé toutes les mécaniques des anciens. Ouais, c'est vrai que ouais. Isaac, ici Norton. Pourquoi vous passez par un canal privé? Pour voir si je peux vous faire confiance. Canal plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais ce que vous ressemblez. Mais c'est terminé, maintenant. J'aime trop Ellie pour la laisser faire ça. Si elle dit vrai, si c'est vraiment le berceau des monolithes, alors nous pouvons peut-être les arrêter. Non, nous savons comment ça va se terminer. S'ils avaient trouvé comment les arrêter il y a 200 ans, nous serions en sécurité, non? Mais ce n'est pas fini. Oh, d'accord. Faut vous imaginer qu'elle est vous... Ouais, et bien oublié. Elle est à moi, c'est clair. Vous entendez? Merrick détecte un genre de message en boucle. Il a l'air crypté. Il vient du vaisseau scientifique CMS Grilly. Ça peut être très important. Si j'ai l'occasion, j'irai voir. Terminé. Il est marrant. Explorer le Grilly. Let's go. Apparemment, on a l'occasion. Le Grilly, s'il te plaît. Oui. Merci. Ah, c'est moi qui choisissais. Il y a des quêtes annexes et tout. Brigade. Donc j'ai recontrôle là-dessus. Nous plante pas, hein, s'il te plaît. Ah, quelle balade. Paf! Attends, j'écoute. Alors, le Grilly. Ah oui, ok. Oula, faut pas lui demander. Mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que t'as? Il y a un problème. Après, il me demande de re-rentrer. Bah écoute, hein. Ce que je vois, c'est très très bizarre. Mais non, mais tu sais que moi, il me demande de re-rentrer dans le. Bon, tant pis. Hein. Bon, écoute, on va faire le Grilly. Ah, tiens. Un autre ici. Mec a oublié l'objectif de la mission. On est où? On peut pas donner de poudre. C'est de l'oxygène. Ah. Attends, je caline une bouteille d'oxygène. Tiens, de l'oxygène, t'es où?
Bon, comment on rentre dans ce vaisseau de mes couilles là? Ah. Qu'est ce bruit là? Barre d'oxygène, hein. Mmh. Ah! T'as trouvé l'entrée? Non. J'y ai cru. Simplement, ça, on s'en fout. Bon, je vais peut-être récupérer un peu d'oxygène quand même à force. Putain, buzz l'éclair quoi. Ah, tu penses qu'on peut aller sur la planète comme ça? Ah mais sans déconner. Mais si toi tu utilises le signal des objectifs, ça donne quoi? Je crois que ça me ramène vers le petit vaisseau. Ah, on est d'accord. Au pire, retourne à la navette. Bah ouais, mais si on est venu là, c'est pas pour... Attends, ça fait quoi ça? Ah, c'est juste de l'O2. Pas moyen de choisir l'objectif, attends. Si, normalement, si. Tu fais ça. Établi. Ah ouais, d'accord. Top. Essayage. Nice. C'est bon, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ah, attends. Merde, comment je fais pour te retrouver, toi? Ah, yes. Ah bah, ok. C'est bon? T'es avec moi? Ah oui, d'accord. Ah, mais non. Bien vu. Je suis sûr que la navette doit venir s'écraser dans le vaisseau. Bah non. Nouveau. Facultative. Hey Santos, je vais entrer dans le grilly. Pour ça. Nouveau sur ce message crypté? Non, mais si vous trouvez la source, nous pourrons peut-être faire quelque chose. Bien reçu. Quoi, là, un cheveu sur la langue? Terminé. Armature compacte, standard. Si vous trouvez la source, on pourra peut-être faire quelque chose. Bon, let's go. Descendons. Le partenaire a besoin de place. Dans 3 secondes, le partenaire. Hein. Non. Ah, c'est ça qui fait ce bruit-là. Et un établi. Il est où, c'est où? Ah, ok, d'accord. Ok. Ouh. Santos. Bon. Cette partie du vaisseau a l'air scellée. Scellée? Par quelqu'un? Et scellée? Vous pensez pouvoir l'ouvrir? Pas sûr. Si je rétablis le courant, je pourrais peut-être annuler le verrouillage. J'y vais. Ah oui, quelle bonne idée. J'ai pas... Ah, attends. C'est quoi ça? De quoi? Un seul à Dinamar? Ok, d'accord. Ah,
A besoin de... Mais ta mère, attends, laisse pas bouger. J'essaie de trouver le bon timing, écoute. Non mais c'est le jeu qui ferme sa bouche, le jeu. Bon, je reste appuyé, je guess. Santos, j'ai le courant. Je vois ça. Le verrouillage vient de la salle des transmissions. Orientez-moi vers la salle. Je vais voir. Oui, d'accord. Inventaire plein. Mais non. C'est un fléau qui nous touche tous. Ah, mais il suffit de faire ça. Non, je suis live. Ah mais j'ai beaucoup trop de kits, ça va m'en avoir en plein. Trouvez la salle. Donnez-moi une minute pour lever le verrouillage. Bon bah je vais devoir y aller au corps à corps hein. Quoi, t'as plus de munitions du coup? Si si, j'ai beaucoup de munitions. Bah alors. Ouais mais j'ai plus de place. Mais utilise tes munitions et tu pourras en ramasser. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, ça va. Bah oui. Faut équilibrer l'énergie entre nous. Bah écoute, il n'y a pas toi. Ah d'accord. Ah d'accord. Oh non. Sans déconner. Tirer des ennuis. Ouais. Même toi, si on... Bon bah d'accord, faut que je fasse un truc sérieux. Ils sont comme ça. Bon, tu te serres un peu les doigts du cul là. Oui, bah je me serre les doigts du cul là. C'est pas assez. Ah, fais chier. Bah oui, l'ascenseur charge. Attends, ok. Et si je le baisse, ça sert à rien. Ah, d'accord. Et ça marche pas comme ça? Juste bon, ça passe, ok, soit. Docteur Barton, quelqu'un diffuse un message codé sur la planète. Qui essayez-vous de contacter? Le docteur Cyrano? Répondez. On va rien dire. J'en sais rien. Commandant, ici l'unité 3. Ils se sont barricadés à l'intérieur avec l'émetteur. S'ils veulent mourir ici, très bien. Coupez le courant. Ils n'auront plus d'oxygène ni de transmission. Et pour les autres? Ce sont les ordres. Aucun survivant. Bien reçu. Non, non, pitié! Vous comprenez pas! Vous pouvez pas! Ah, on est ici, du coup. On est les vivants celui-là? On a fait le tour en fait. Non, non. Enfin, si, on a fait le tour, effectivement. Ouais, tu disais qu'on avait fait le tour de l'endroit, mais. C'est ce que je disais, hein, effectivement, mais j'avais oublié cette porte.
D'accord. Oula. C'est moi, il a bondi. Ou il est mort. C'est chiant, je vois. J'essaie de casser les lampes. Là qu'on y voit comme à travers le cul d'une pelle ici. Violets sont stupéfiants dans un sens. Leur morphologie n'est pas si différente de la nôtre. Ils sont un peu plus grands, plus majestueux. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Leurs têtes à crête sont à la fois effrayantes et magnifiques. Et le Dr. Serrano pense qu'ils sont des millions là-dessous, piégeant dans la glace au milieu des monolithes. Oula ! Qui étaient ces nobles créateurs ? Pourquoi ont-ils construit les monolithes ? Ont-ils placé le monitor sur Terre ? Dans quel but ? Je suis sûr que les réponses se trouvent sur cette planète de glace. Ouais, enfin, des monstres à crête, je sais pas spécialement. Allez, ramène ton petit cul. It's a trap. Mais pas devant moi. Pas devant, c'est sur le côté. T'es devant moi. Je t'assure. Ah, à ce point-là. En fait, je peux pas le tourner, mon cutter. Ah ! Bah, du coup, t'as la même amélioration que moi, mais bon, du coup, je le tourne pas, donc ça me va. Alors. Par contre. Un truc qui me saoule. Alors, question distancielle là. Ah, mais attends, je vais viser mon. Je vais le vider, il suffit de le vider, c'est pas grave. Coffre. Armature lourde pour arme à deux mains. Ah, d'accord. Alors, attends. J'espère qu'il y a des dividers. Je t'emmerde. Si tu dis ça, ça veut dire qu'il y en a. Ah. Ah, c'est pour ça. Merde. D'accord.
j'ai deux tirs. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. C'est ça qui règle les problèmes, toi? Bah ouais. T'es vraiment génial. Ah, faut s'insérer dedans, c'est ça. Ah ouais, tu l'as pas fait jusqu'au bout celui-ci. Ça montre l'intérêt. D'accord. Attends, mais j'ai marché dessus tout à l'heure, celui-là. Ouais, ouais. Top. Comment le décrypter? Oui, la clé de décryptage est dans le bureau de Laura Engstrom. Attendez, je vais voir si je peux la trouver. Oui, la voilà. Je vous envoie les coordonnées. D'accord. Ils ont chié sur mon fait un plasma, là. J'ai trop le seum. Mais t'es pas obligé de le rendre parfait ton cutter plasma. Mais non, mais je veux pouvoir le tourner en fait, c'est ça qui m'a bon. Ah, mais change, vire le module. Mais j'arrive pas. Si tu peux. Attends, ce module tu l'as mis sur quelle arme? T'es sûr que... Bah j'ai mis sur le cutter plasma. Et, bah mets le bloc moteur. C'est cela. Du coup normalement ça devrait le virer. Non, non. Bah si, là il est à zéro, là t'as mis à zéro. C'est, oui, mais c'est parce qu'il est déjà dessus en fait. Ouais mais du coup si tu mets le bloc moteur Tesla dessus, ça normalement... Ça me met l'espèce de rayon de merde. Ah et ça c'est plus un... Bah sinon, reviens sur outil supérieur. Ah mais non. Attends, reviens, retourne. Au niveau de outil inférieur, faut pas mettre des coupeurs plasma du coup. Outil inférieur. Ah là. Non, oui, celui-là, ouais. Et là, en fait, tu mets le tirer outil inférieur. Et normalement, ça devrait le faire. Ok. Ça me va. Merci. Bah, teste quand même, mais. Ouais, mais je vais le tester, mais je pense que c'est bon. Ah. Quoi? Non, je peux toujours pas le tourner. Ça, mais... Ah, la tienne, hein. Mais il est où? Je dois peut-être pas, je sais pas. Mais il s'est fait tuer par le rayon. Ah, d'accord. Le guide de soins, encore et toujours.
Ah d'accord, il y a un rapporteur dessus en fait. Pour le un rapporteur? Ouais. Un outil inférieur, il y a un rapporteur pour le permettre de le tourner. D'accord, oui. C'est comme ça qu'ils ont fait, en sorte que ce soit cohérent. Ok. Ouais. Ouais. Bon, du coup, je vais pas marcher sur les plateformes. En feu, là? Oula. Ok. Je vais faire moins de roulades. Hein. On a revu une sauvegarde là récemment. Sauvegarder là ou pas? Non, pas du tout. Non. Ah si. C'est que sauvegarder. On peut sauvegarder. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais. C'est de la voie là-dedans. Oh. Je tire sur un truc là. D'accord. Ah oui. Non, c'est toi. Ok, c'est un cul-de-sac par là, top. Des munitions, des trucs comme ça, des trucs de cadavres quoi. T'as un cadavre, il est disparu sous mes yeux quoi. Attention derrière toi. C'est vrai que c'est chiant quand même de pas pouvoir le tourner, je dois bien l'avouer. Oui, alors là, il est allé aussi. Ah, on va passer. C'est bon. Hé hey, Santos, je vous envoie la clé de décryptage. Bien reçu. Attendez, je l'applique au message. Cacher Rosetta, qui sait? Ils ont dû vouloir la cacher pour qu'elle échappe à l'exécution. Ses recherches pourraient tout enrayer. Pourquoi ordonner une exécution qui détruirait un secret si important? Ils ont paniqué. Ou ils en savaient plus que nous. Merci d'avoir trouvé ça, Isaac. Ça pourrait être très utile. Tant mieux. Bon, j'y retourne. Bar. Il nous reste encore beaucoup à faire. Terminé. On a fini ici, du coup. Bah, il nous manque la dinobar, hein. On est toujours pas rentré là. C'est vrai. Bon bah ok, c'est peut-être un truc à débloquer plus tard. Pas aller là-dedans. Où ça? Ah oui, effectivement.
J'ai mais plus de place. Ah ouais. Ouais, on peut se donner des objets. J'essayais de remplir ton inventaire, mais t'es déjà trop plein. Eh ouais. J'avais anticipé, mon gars. Allez, bouge de là. Vous avez reçu un objet. Ah oh, mais si, tu m'as rempli là. Ah oui, je t'ai rempli. Bon. Mais attends, autant remplir le coffre du coup. Plutôt que casser les pieds. Dino Bar Dead Space 3. Du coup, j'ai rempli mon inventaire corps de kit de soins, ça va être top. Alors, est-ce que ça vaudrait pas le coup de refaire un tour vite? Ok, de toute façon, c'est fermé. Ah, ok. Ça c'est fait. Il y a marqué quoi? Cloison sécurité débloquée. Ouais, bon. Bien ici la dinobar, mais. Ah non, on a déjà lu ça. Mais vous l'avez dit ? J'en sais rien ! Docteur Barton, quelqu'un diffuse un message codé sur la planète ! Qui essayez-vous de contacter ? Le docteur Cyrano ? Les chiottes là. Répondez ! Ah, ok, j'arrive. On va rien dire ! J'en sais rien ! Commandant ? Ouais. C'est pas l'ascenseur, je crois que c'était des toilettes. N'importe quoi. Tu viens? Ouais, je suis là, je suis dedans. Ah ouais, putain. Lui qui se fait juste derrière moi, juste pour pas. Mais on a buté tout le monde déjà, attends. Ouais, mais on cherche un autre. Ouais, je sais pas ce que c'est, ces munitions universelles de merde. J'aime pas non plus. Y'a rien en bas? On est là en bas, putain. En bas, oui, pour moi, en fait, on y vient. Disons. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je peux pas monter. Mais c'est marrant qu'il... Pourquoi je peux pas... Ah, d'accord. Y'a rien. Et j'ai le bloqué vers le partenaire. Insupportable. Et là, ah okay. Oui, bah oui, c'est de l'autre côté, quoi. Bon. Il y a peut-être... Parce que t'as, tout à l'heure, t'as déréglé le courant pour ouvrir là-haut. C'est vrai. Truc, en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas remonté en haut depuis. Merde. Il va trop vite sauter, l'ascenseur. C'est vrai qu'on... Mais on n'est pas remonté en fait. Ouais, on est pas remonté, juste tout en haut. Non, c'est bon. C'est ouvert, touche à rien. Ouais, mais. Parce que justement, je touche à celui-là. Ah non, ça a coupé l'ascenseur ou. Bah, ça va fermer cette porte-là quoi. Ouais, mais cette porte-là, on s'en fiche du coup. Bah, pourquoi? Tous les cas, on vient ici. Ok. Là, on a. Où c'est? Oh, ouais, non, mais je vais jeter un coup d'œil.
Vu qu'on avait nos inventaires pleins. Et de la musique. Oui. Déréglé. Et si on tente de remettre un peu les circuits électriques un peu dans l'état précédent ou un truc comme ça? Non? Si. Comment on va savoir? Bah on va essayer de prendre un autre chemin pour atteindre les trucs qui ont été les portes qui ont été bloquées là par la disruption du courant. Non mais comment on va savoir que les autres portes elles seront bonnes? Mais on s'en fout des autres portes en fait. Elles se trouvent juste au sous-sol de la pièce où on était juste il y a 3 secondes. Même la dernière porte qu'on a vue là? Mais oui. Ok. Oui. Peur le cigare, quoi. C'est comme ça. Bon. Ouais, je. Et on reviendra. Ah, et que du truc de mission, d'ailleurs. Ben, y a plus de mission facultative. Okay. Ah ouais. Bon, et ben. Avec la navette. Où la poulette. Attends, par contre, il a dit Nabar, il est à l'extérieur, c'est n'importe quoi. Là. Tu cherches ça? Non, je cherche pas, je suis juste à la navette. Je me suis perdu. Oui, je vois ça. Ah, je l'ai trouvé! Mais non, le dynamage? Putain! Ah, c'est moi qui conduis cette fois. Du coup, faut aller où? Terra Nova, je crois, faut aller. Mais j'imagine. Alors, attends. Bah voilà, c'est fait de toute façon. Et Ishimura. Du coup. Et quelle partie? La petite navette là? Non, le truc dans lequel on va là. Ah! Ah oui, il est 1h du mat. C'est pas qu'on s'amuse, mais. Bon, je suis dans le Terra Nova. Par où est la navette? Santos, vous avez les registres, que disent-ils? Que la navette a été suspendue. Dialogue, et puis après. Ils allaient la démonter. Ouais, si je résume, on sait rien. Il doit y avoir des registres détaillés quelque part. Je vais regarder dans le vaisseau. Ah, regardez du tout. Ah! Le repartir du dernier point de sauvegarde. Ok.